بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. باسم مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة أرحب بكم وأتمنى لكم رمضان مبارك سعيدا. حضرة السيدات والسادة، لقد ارتأينا في مؤسسة أن نتطرق لموضوع كان الأستاذ أبو بكر القادري يوليه اهتماما كبيرا منذ أن انتبه إلى الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في مجتمعنا الإسلامي، وترسخ في يقينه ضرورة تعليمها وتكوينها للمساهمة في بناء الوطن وضرورة إعطائها كل حقوقها. يقول الأستاذ القادري في كتابه دفاعا عن المرأة المسلمة: إنما عانته المرأة ماضيا من إهمال وعنت وضغط وتخلف يتنافى كل التنافي مع تعاليم الإسلام. ويضيف أن المرأة المسلمة في نظره لها كيانها المستقل ولها رأيها المستقل، تتصرف في نفسها كما تريد وطبق مصلحتها الحقيقية. لقد ارتأت الدكتورة أسماء المرابط أن تعنون محاضرتها نساء القرن 21 المسلمات بصيغة الجمع، ولا شك أنها ستشرح لنا سبب هذا الاختيار، ويأتي هذا الموضوع في ظرف هام يدور فيه الحديث عن ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تضمن حقوق المرأة بعدما جاء به الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي. Mesdames et messieurs, la conférencière que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, vous la connaissez toutes et tous. C'est Madame Asma Al-Mrabat. Elle exerce comme biologiste au CHU de Rabat, mais elle s'est surtout consacrée à la relecture des textes religieux à partir d'une perspective féministe, éthique et réformiste, et à la question des femmes en particulier. Elle est aussi engagée dans le dialogue interreligieux avec des théologiennes des religions monothéistes à travers le monde. Elle a participé à de nombreuses rencontres internationales et donne de nombreuses conférences au Maroc et à l'étranger. Elle a été membre de plusieurs organismes et institutions au Maroc et a dirigé le Centre des études féminines en islam au sein de la Rabita al-Mohammadiyya des ulamas du Maroc de 2011 jusqu'à mars 2018. Elle participe activement aujourd'hui à plusieurs conseils et comités, dont le réseau international Moussaoua, basé à Kuala Lumpur, la Commission nationale de l'éducation et de la culture et des sciences de l'Académie du Royaume du Maroc, l'Observatoire du monde arabo-musulman au sein de l'Université libre de Belgique, le comité scientifique de l'Institut des droits de l'homme au Maroc, le conseil consultatif du Nordic Center for Conflict Transformation, basé à Stockholm. Elle est par ailleurs membre fondatrice de la chaire Fatema Al-Barnissi, affiliée à l'Université Mohamed V, et titulaire de la chaire Genre au sein de la Fondation Euro-Arabe des hautes études à l'Université de Grenade en Espagne. Asma Al-Mrabat est l'auteur de plusieurs articles sur le thème de l'islam et des femmes, ainsi que de plusieurs livres, dont « Musulmane tout simplement », « Aïcha, épouse du prophète » ou « L'islam au féminin », « Le Coran et les femmes, une lecture de libération », etc. Le dernier étant « Rabia al-Adawiya », « Mystique et liberté ». Merci. Et pour animer cette rencontre sur les femmes musulmanes du XXIe siècle, au pluriel, nous avons fait appel à notre ami, l'islamologue Abdelrahim Hafidi, journaliste à la chaîne française de France 2 et animateur de l'émission Culture d'Islam. Abdelrahim Hafidi est également politologue, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris et consultant de plusieurs médias français et étrangers sur les questions qui concernent l'islam en Europe. Je lui cède la parole en vous souhaitant une excellente soirée. Merci infiniment, cher Nasser. Permettez-moi d'abord une petite confidence.
C'est aparté avec votre autorisation, cher Asma. Je suis particulièrement ému ce soir. Ce ne sont pas les occasions avec le public qui manquent, mais celles-ci comptent de l'or pour moi. Parce que tout simplement, j'ai appris à marcher à quelques centaines de mètres d'ici. J'ai appris à parler sur les rives de la plage de Salé à Sidi Bouhaja. J'ai appris à lire sur les bancs de l'école entre l'école de Sour et Babrimis. J'ai encore à l'esprit mon instituteur qui a été pour moi le guide, qui s'appelle Saïd Nasiri. Je ne sais pas s'il est encore de ce monde, qu'est-ce que j'aurais aimé le revoir et savoir qu'il est encore parmi nous. Évidemment, ce lieu me semble d'une symbolique, d'une force émotionnelle. En plus, quand j'ai la conjugue avec ma participation ce soir auprès de vous, Asma, vous imaginez tout le plaisir que j'ai à pouvoir être parmi vous. Évidemment, je remercie Nasser d'avoir, je dirais, étayé un certain nombre d'éléments de biographie, mais il faut quand même, c'est Bourdieu qui disait toujours, lorsqu'on parle, on parle toujours à partir d'un lieu. Un lieu intellectuel, un lieu politique, un lieu symbolique. Eh bien, c'est toujours intéressant de savoir de quel lieu les gens parlent. Derrière vous, parce que vous allez me dire, précisément me dire, le lieu ou les lieux à partir desquels vous parlez. J'ai quitté le Maroc il y a maintenant 42 ans. Je suis parisien de cœur. Je suis marocain de toujours, français de tous les jours. Même si, par les temps qui courent, ce n'est pas très simple. Mais c'est pas grave. On va soigner tout cela. Parce que l'histoire, n'est-ce pas, mon cher Oustad Abdoufiladi, comment l'histoire, elle nous joue des tours, mais pas forcément ce qu'on croit. Donc, j'ai exercé effectivement l'enseignement, j'étais ministre de conférence à l'INALCO, l'Institut National de l'Enseignement Oriental, jusqu'en 2002, où je vais donc basculer quasiment dans l'action publique, puisque j'ai conseillé pendant 2 ans Madame Christiane Taubira, donc elle était candidate à l'élection présidentielle, je dirigeais sa campagne électorale, en termes de communication. Ensuite, Jean-Pierre Chevènement avait appelé dans son cabinet pour le conseiller sur ce qui va devenir plus tard le Conseil français de culte musulman. J'ai donc été son conseiller sur ces questions jusqu'à ce que la grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout lorsque le président Jacques Chirac m'a nommé donc le producteur et responsable de l'émission externe sur France 2, parce que c'est la chaîne publique. Pourquoi le politique? Parce que la France a cette particularité d'être à la fois laïque, mais en même temps c'est elle qui gère, c'est l'État, c'est la République qui gère le tout. Ça c'est la grande. Et donc depuis, j'ai cette belle aventure extrêmement intéressante, mais en même temps bien préoccupante par le sujet même dont on traite, la question de l'islam, mais pas seulement la question du culte, mais d'une certaine façon la surface intellectuelle, politique et morale, et la charge que cette responsabilité incombe. Jusqu'à présent, je suis encore vivant, et donc je continue encore, tant bien que mal, à pouvoir assumer cette responsabilité. Et c'est en tant que tel que je suis heureux d'être à vos côtés, cher Asma Al-Marabit. Parce que le sujet de la conférence, qui a été donc choisi, par vos soins, mérite, comme on disait au XVe siècle, Paris mérite une messe, comme disait Henri IV, le débat sur la femme mérite, non pas le détour, mais mérite qu'on voyage dans cette histoire, parce que par les temps qui courent, c'est dur d'être une femme. Parce que par les temps qui courent au Maroc, le féminin n'est pas un problème. Le féminin est un destin. Quelqu'un me disait que le vrai problème de la femme, finalement, c'est l'homme. Et si ce n'était pas effectivement quelque chose de vrai. Alors, le hasard a fait que cette conférence intervient dans un contexte extrêmement chargé et dur. Nous venons d'apprendre que cette jeune fille, cet enfant de 11 ans, qui a subi ce châtiment barbare, qui nous a non seulement scandalisés, non seulement c'est outrageant, mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est que la justice a été injuste. C'est de la justice dont il faut parler. Elle était injuste. Parce que
on a considéré que cette jeune fille ne mérite pas qu'elle soit justement traitée. Et je pense qu'il faut revenir très loin pour comprendre, je dirais, non seulement les pensées, mais les arrière-pensées de cette histoire. J'allais vous dire, et ce sera ma première question à vous, pourquoi on en est là? Comment tout cela a commencé pour que le féminin garde encore les séquelles de ce refus masculin de pouvoir admettre, comme disait Aragon, que la femme est la moitié du ciel, ou c'est l'avenir de l'homme? En tout cas, j'y tiens à continuer à croire à cette mythologie qui, j'espère, un jour deviendra réalité. Mais ce soir, ce n'est pas du tout de cette affaire dont il s'agira. Pas du tout. Ce soir, nous voulons un peu convoquer trois auteurs pour nous parler justement de la femme. Hein ? J'aimerais répéter toujours cette maxime d'un des plus grands écrivains. Albert. Ça commence bien, pardonnez-moi, c'est les conditions du direct, hein, c'est comme ça. Ça nous arrive d'avoir des... C'est Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. » Et parce qu'il faut nommer, qu'on va essayer quand même de nommer les choses à leur place. Un autre penseur qui s'appelle Alexis Tocqueville, en 1844, l'auteur du fameux « De la démocratie en Amérique » disait « L'impossible existe parce que nous ne l'avons toujours pas essayé. » Eh bien, ce soir, nous n'allons pas essayer l'impossible. Nous allons essayer de comprendre avec vous, Asma Al-Marabout, d'abord, comment se passe aujourd'hui la situation de la femme au Maroc. Est-ce qu'on peut faire un inventaire, non pas en remontant le siècle, parce que si jamais on remonte le siècle, à mon avis, les hommes vont être un peu dans l'embarras. Le professeur Ahmed Jebar, qui est un spécialiste des sciences arabes et des sciences islamiques, répète toujours qu'au Xe siècle, il a été comptabilisé 1500 femmes savantes en terre d'islam, c'est-à-dire des médecins, mais personne n'en parle. Donc les hommes ont intérêt à ce qu'on ne remonte pas trop, parce qu'ils sont d'une certaine façon un peu embêtés, embarrassés. Alors, comment d'abord se présente aujourd'hui, d'après vous, la situation de la femme au regard d'abord de la réalité marocaine, mais surtout au regard des normes juridiques, parce que de normes juridiques dont il s'agira aussi, parce qu'il y a quand même des progrès, il faut le reconnaître, et parce qu'il y a aussi ce que le professeur Mohamed Al-Koun appelle les clôtures dogmatiques qui nous empêchent de pouvoir aller un peu plus loin. Alors, Asma Al-Marabout, comment tout cela a commencé? Alors, je sais pas si je dois utiliser ça, ou je suis en train de l'enlever. Je vais commencer avec ça. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Sina Salkhadiri, mes organisateurs, pour cette aimable invitation. Je suis vraiment, vraiment touchée, émue et honorée d'être au sein de cette fondation qui porte le nom de votre illustre père, l'Irhamo, c'est Abou Bakr Qadiri. L'un des fondateurs du nationalisme marocain, cette école dont on est tous et toutes fiers au Maroc. Et comme vous l'avez très bien dit, moi j'aurais aimé que dans nos cursus scolaires, on enseigne justement la production de gens de réformistes, parce qu'ils étaient des réformistes en ce temps-là, comme si Abou Bakr Qadiri, Alal Fassi, qui avait des choses à dire et qui avait des choses à dire absolument avant-gardistes par rapport à ce qu'on nous sort aujourd'hui dans le discours religieux, pas uniquement au niveau des femmes, par rapport aux femmes, mais en général. Ceci dit, je suis très très contente et ravie, quand on me l'a dit, et ravie aussi de partager ce débat avec vous. Je vais, avant de répondre à votre question, je voulais vous dire combien j'ai été touchée par un commentaire que vous avez fait lors de ce débat qu'il y avait dans la Coupe du Monde entre la France et le Maroc. Je trouve que... Qu'est-ce que ça m'a provoqué comme malheur ? Oh non, non. Franchement, pour nous, ça a été un bonheur, en tout cas au Maroc, de voir la subtilité avec laquelle vous avez choisi votre camp.
J'ai trouvé ça extrêmement beau et je voulais absolument vous le dire. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, mais avant, je vais me situer moi aussi et situer ma parole quelque part, parce que dans le courant féministe, c'est ce qui fait aussi la pensée féministe, c'est de se situer en tant que femme, justement. Parce que les hommes disent rarement « je suis un homme », etc. Mais les femmes disent « je suis une femme ». Alors, je suis une femme marocaine, musulmane, convaincue donc de son appartenance musulmane, de sa foi, mais qui revendique le droit, justement, de critiquer cette tradition. De la critiquer, comme dirait ma collègue et mon amie Pauline Bev, qui est la première femme rabbin de France, de la critiquer de façon amoureuse. Voilà. Et ça, c'est important, parce qu'il y a critique et critique. Alors, parlons des femmes au Maroc. Moi, je dis toujours le pluriel parce que nous sommes des femmes comme nous sommes des hommes. Et les femmes musulmanes du 21e siècle, si on voit le monde musulman, il y a une variabilité, il y a une pluralité qui est importante à noter, parce que les femmes marocaines ne sont pas les femmes koweïtiennes, ne sont pas celles qui sont en Arabie saoudite. Elles sont différentes aussi de celles de la Malaisie et donc de toute l'Asie musulmane. C'est quelque chose de très important à dire pour montrer cette diversité, cette pluralité, quoique il y a un dénominateur commun qui nous relie sur cette question des femmes, et qui est les discriminations au nom du religieux. Ça, c'est quelque chose que nous devons reconnaître. Je parlerai à partir de mon contexte, qui est le Maroc, en disant que, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'il y a des acquis. C'est vrai qu'il y a des problèmes aujourd'hui, mais il y a des acquis qu'on a... Très souvent, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir oublié. Je crois que la lutte, c'est-à-dire par exemple la réforme du code de la famille de 2004 n'est pas venue comme ça. C'est le produit d'un long processus de lutte des femmes, il ne faut pas l'oublier, des années 70-80. Et qui ont largement contribué à avoir les droits qu'on a aujourd'hui et que les jeunes générations généralement oublient ou considèrent comme des acquis et que voilà, il faut passer à autre chose. Or, rien n'est acquis. On le voit aujourd'hui dans les régressions qu'on a et des retours en arrière qu'on a sur pas mal de choses. Il faudrait aussi rappeler que cette réforme du code de la famille s'est faite grâce à l'arbitrage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a été vraiment quelqu'un qui a, je vais dire, absolument été un... C'est-à-dire qu'il a donné une dynamique extraordinaire et que sans lui, les choses auraient été difficiles à faire. Alors, en plus, le discours du trône de juillet 2022 a été un catalyseur et a montré que comment, durant ces 18 ans, aujourd'hui, ce code de la famille est assez dépassé et qu'il y a des lacunes, des contradictions, et c'est celle qu'on voit aujourd'hui. Donc, les acquis, on les connaît. Il faut savoir que ces acquis qu'on a dans le code de la famille, ce sont des choses qui sont impensables dans d'autres pays musulmans, en dehors de la Tunisie, par exemple. On a eu quand même la co-responsabilité de la famille, co-responsabilité au sein de la famille de hommes et femmes, donc égalité dans la co-responsabilité. On a eu le divorce égalitaire, on a eu l'abrogation, ou si vous voulez, la tutelle matrimoniale qui est devenue si on veut dire facultatif, et c'est quelque chose, nous qui suivons le rite malékite, il faut savoir que le wali est quelque chose de, c'est-à-dire c'est un critère qui, sans lui, le mariage n'est pas valide, donc il y a eu un ijtihad par rapport à ça. Le mariage des mineurs, l'interdiction donc du mariage et l'égalité dans le mariage donc des jeunes à partir de 18 ans, qui pose problème aujourd'hui malgré tout. Et donc, ces acquis sont quand même importants. Et puis, il y a des lois qui sont restées ineffectives.
Je reviens très rapidement à cette question, à ce drame qu'on vient de vivre dernièrement, celui donc de cette petite fille de 11 ans qui a été victime d'un viol collectif barbare, et dont quand on voit la sentence de 2 ans pour ces 3 quand même hommes violeurs, on se pose des questions et on se dit, est-ce qu'on est vraiment au 21e siècle? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans ce Maroc à lequel on aspire? Moi, ça me fait mal au cœur parce que, justement, on a des acquis, on a des avancées, mais on a des contradictions comme celle-là. Parce que là, il ne s'agit même pas de réformer des lois. Les lois sont là. Les peines, elles sont connues. Elles sont plus de 10, entre 10 et 20 ans pour ce genre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lois sont importantes. La réforme des lois est importante. Mais le Maroc a fait l'impasse sur l'éducation des mentalités. Et c'est ça qui pose problème. Donc ces juges-là, ce sont les mentalités, avec beaucoup de choses aussi, d'autres choses, il n'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais la chose la plus importante, c'est qu'on a fait l'impasse justement sur tout ce qui est éducation, pour lutter contre ces mentalités qui aujourd'hui font des résistances à des lois qui ont été réformées depuis 2004 et qu'on n'arrive pas à rendre effectives. Parce que, oui, il faut aller plus loin, parce qu'il y a des questions, par exemple, au Maroc, avec ces acquis qu'on a, il y a des défaillances par rapport des décalages par rapport à la Constitution de 2011, qui stipule de façon très claire dans l'article 19 qu'il y a égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. Et donc, quand on voit, par exemple, aujourd'hui que les femmes n'ont pas le droit à la tutelle juridique, alors que les hommes l'ont, je trouve que c'est une aberration. Alors, on parle d'égalité, on parle de co-responsabilité dans la famille. Comment on peut avoir des femmes qui sont responsables dans la famille, qui ne peuvent pas avoir la tutelle juridique? La garde des enfants, dès qu'elle se marie, elle n'a plus le droit, alors que le mari a le droit de se remarier sans problème. Toutes ces questions-là sont des questions très importantes. Et je reviens à la Constitution de 2011, qui a stipulé donc cette égalité, mais qui aujourd'hui n'a pas pu transcender ces mentalités. Et elle se trouve en face d'une résistance qui est de plus en plus, moi je l'aperçois comme de plus en plus, résistance très très forte, dans les mentalités aujourd'hui. Et permettez-moi de terminer avec ça, si on veut passer à autre chose, c'est que j'estime, à mon humble avis, que la résistance qu'il y a la plus importante, c'est que il faut le reconnaître, au niveau de la Constitution de 2011, l'article 19 qui stipule la réalité, qui stipule l'égalité, la stipule en la conditionnant. Et je crois que c'est ça un peu, ça peut être soit le point faible, soit source d'enrichissement. Mais généralement, c'est un point faible. Pourquoi? Parce que conditionner l'égalité homme-femme par des constantes, tawabit, qui sont, on le connaît, l'unité territoriale, enfin l'unité nationale, le choix démocratique, la monarchie et la religion musulmane, en rajoutant un qualificatif qui n'est pas anodin, qui est très subtil, qui est celui de modéré, ad-din al-islami al-samah. Donc là, ça nous ouvre deux portes. La première, c'est que déjà, on est devant une lecture modérée de l'islam. D'accord, donc on n'est pas dans une lecture rigoriste. Mais tout à chacun peut vous dire qu'il a sa lecture modérée tout en étant rigoriste. Et donc, finalement, en gros, vous avez une égalité qui est prise en otage entre le choix démocratique, les valeurs universelles de l'égalité telles qu'elles sont connues, les conventions internationales signées, ratifiées par le Maroc, et l'islam, l'islam modéré, l'islam din, l'islam islamais. Donc, cette prise en otage fait que, aujourd'hui,
on peut puiser dans les deux référentiels. Vous avez caricaturalement les modernistes qui vont vous dire oui, c'est les valeurs universelles qui doivent être, c'est-à-dire qui doivent avoir la prééminence, etc. La Constitution le dit. Mais vous avez, entre guillemets, les conservateurs qui vont vous dire non, la religion musulmane prime, la religion, elle est, c'est la religion d'État, etc. Donc, d'où le dilemme. Et, et on vit cette dualité sous la forme de contradiction. Au lieu que ça soit un enrichissement et une complémentarité entre valeurs universelles et religion musulmane, on la vit sous le mode, c'est-à-dire dualité, opposition, contradiction. Tout simplement parce que, il faut le savoir, l'égalité homme-femme, aujourd'hui, chez la majorité des Marocains et des Marocaines, est synonyme de valeur extérieure, enfin de valeur externe, de valeur intruse au référentiel islamique, parce que matraquée par des discours religieux qui ne parlent jamais d'égalité homme-femme, même qui la contredisent, et qui stipulent que tous ceux qui parlent en faveur de l'égalité homme-femme sont des gens occidentalisés, qui sont absolument loin de la religion musulmane, etc. Donc, les questions qu'on doit se poser, est-ce que vraiment il y a une incompatibilité entre valeurs universelles et religion musulmane? Est-ce qu'il y a une incompatibilité? Est-ce que ce référentiel religieux dont on connaît, voilà, on en parle sans savoir de quoi on parle des fois, est-ce que ce référentiel religieux est vraiment discriminatoire envers les femmes, comme on n'arrête pas de nous le dire? Et là, je ne sais pas si je dois m'arrêter ou pas, parce que je peux ne pas m'arrêter. Mais c'est tellement agréable de vous entendre, de vous écouter. Merci beaucoup. Mais je pense que mais la deuxième étape... n'abusez pas. La deuxième étape, ce serait de déconstruire ces deux référentiels, je crois, avant de pouvoir aller plus loin. Alors, vous venez de citer le mot-clé, me semble-t-il, en tout cas selon moi, c'est la question de l'éducation. Ça rappelle d'une certaine façon cette phrase qu'on attribue au président Franklin Roosevelt, qui un jour reçoit son ministre de l'Éducation nationale, qui est venu le voir pour lui dire, Monsieur le Président, le budget que vous m'avez demandé pour l'éducation est colossal. On ne peut pas répondre à ce désir de vouloir consacrer de l'argent, autant d'argent à l'éducation. Le président lui répondit, si vous considérez que l'éducation coûte cher, regardez du côté de l'ignorance, ça coûte encore plus cher. Et je pense que c'est quelque chose qui se situe au cœur même, je dirais, des choix qu'il faut faire. Alors, je reviens un petit peu sur le nœud gordien que vous avez évoqué, à savoir la question de l'éducation, mais surtout, cette éducation n'est pas uniquement un élément, je dirais, abstrait. Ça vient aussi, si l'absence de cette éducation, de ce que vous avez appelé l'éducation pour inculquer une certaine valeur d'égalité, etc., autrement dit, envahir la représentation, je dirais, de notions de valeur, est-ce que vous ramenez cette situation actuelle au Maroc, mais on peut faire par extension aux autres pays musulmans, est-ce que vous ramenez cette situation au statut juridico-théologique que notre scène primitive, pour reprendre la formule de mon ami le regretté Abdou Wahab Mateb, c'est-à-dire l'islam des origines, qui avait donc clôturé le statut de la femme dans une espèce de fatalité historique, est-ce que vous ramenez ça à la question des origines, qui est généralement à l'origine de toutes les questions? Est-ce que la question des origines de ce statut théologique et juridique est le nœud de toute la problématique? Ou bien, vous dites, comme le dit toujours Mohamed Al-Koun, l'islam, c'est d'abord les musulmans. Et c'est aux acteurs de l'histoire qu'il va falloir donc poser la question, mettre le fer ou le fer dans le feu. À quoi ramenez-vous cette stagnation, pour ne pas dire cette régression? Alors, si on remonte à l'histoire donc de la civilisation musulmane sur cette question, mais sur tant d'autres questions aussi, il faut savoir que je pense que le début du problème a commencé avec la codification des sciences islamiques. C'est ce qu'on appelle Asr Tadwin, vers le 9e siècle. Et c'est à partir de là qu'on a eu, d'ailleurs, vous avez parlé de clôture dogmatique. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu une clôture dogmatique parce que, justement, à partir de... c'est-à-dire, on voit vers la fin du 7e, à la mort du prophète, et à partir du 8e, 9e, avant la codification,
et même on peut dire jusqu'au 11e, 12e siècle, aller élargir l'éventail, dire qu'il y a eu quand même un islam beaucoup plus libéral que celui qu'on vit aujourd'hui, à part qu'on a commencé à vivre à partir du 19e siècle avec, et qu'il y a eu sa décadence avec le choc de la colonisation, etc. Donc, l'islam a toujours été caractérisé par sa pluralité d'interprétation, sa diversité. Et c'est ça ce qui est très important. Donc, il y a une grande différence à faire, je crois qu'au sujet de l'islam, il faut faire la distinction entre deux dimensions. La dimension du message spirituel, de la foi, de la conviction, de l'éthique, on y reviendra après, et la dimension institutionnelle. Et cette dimension institutionnelle, elle a commencé avec la codification justement des sciences islamiques, et on a eu, malgré nous, un clergé finalement. Un clergé qui ne dit pas son nom, mais un clergé quand même, parce qu'il y a eu une autorité juridico-théologique qui s'est imposée aux dépens de la pluralité. On sait très bien que Tabari, par exemple, a été un exégète historique qui a été assez libéral par rapport aux femmes, je dirais, parce que c'est l'un des seuls qui a permis, par exemple, l'imam al-Kubra pour les femmes, qu'elles soient juges, qu'elle fasse la prière, etc. Et donc plus on s'éloigne de ce premier islam, plus on va voir des clôtures dogmatiques. Donc elles vont venir après. Vous avez quand même dès le 8e, 9e siècle des exégèses qui sont plurielles. En même temps, vous avez Ahl al-Ra'i, qui sont connus comme Razi, etc., et Ahl al-Athar, mais qui étaient toujours prédominants. Ahl al-Athar, c'est Ahl al-Hadith, c'est Ibn Kathir, par exemple. Et vous avez des lectures juridiques, des lectures ésotériques, des lectures rationalistes, comme celle de Razi, par exemple. La philosophie qui est venue après avec Ibn Rushd, etc. La lecture ésotérique de Ibn Arabi. Donc tout ça nous donne un petit peu un panorama de pluralité, de diversité. Mais dans tout ça, on a toujours eu les Ahl al-Hadith, c'est-à-dire qu'on appelle les Ahl al-Athar, qui sont très raccrochés au taqlid, c'est-à-dire au mimétisme donc des anciens, de salaf, c'est-à-dire prédominant. Et à la fin, c'est-à-dire qu'on peut résumer la chose en disant qu'il y a eu une hégémonie de la lecture juridico-théologique de l'islam. Alors qu'on sait très bien que dans le Coran, quand on parle de juridique, c'est-à-dire qu'on parle de ahkam, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve 3% au niveau de 6200 versets. On a, de tout le Coran, on a juste 3% qui parlent de ahkam, entre guillemets. Mais il y a eu prédominance de cette lecture juridique, ce qui a porté préjudice vraiment à l'islam finalement. Donc, comment sortir de cette impasse, c'est-à-dire cette impasse qu'on vit jusqu'à aujourd'hui? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de théologiens aujourd'hui, enfin de penseurs, mais de théologiens aussi un peu éparpillés à travers le monde, qui critiquent cette lecture hégémonique du juridique aujourd'hui, qui a pris le pouvoir et qui a absolument marginalisé ce qu'on appelle aujourd'hui la lecture éthique. La lecture éthique, al-qira'a, ou la al-muqaraba al-akhlaq liya lil-Qur'an, est absolument absente dans l'histoire de la civilisation. Et c'est vraiment quelque chose de très grave. Comment le Coran, qui est vraiment une feuille de route éthique, la sharia, pour moi, ce n'est autre chose que la voie éthique, comment peut-on marginaliser tout ça en faveur d'une lecture juridique qui a sa place? Moi, je ne dis pas que la lecture juridique n'a pas lieu d'être, elle a lieu d'être, parce que istinbat al-ahkam a toujours été très important pour faire marcher une société. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin de la dimension normative, mais la dimension normative doit se lire à partir de la dimension éthique. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu de lecture éthique. Et c'est ce qu'ont remarqué beaucoup de contemporains, comme Drez, comme Fadl al-Rahman, comme Iqbal,
et plus récemment au Maroc, Lairhamou Abd al-Jabri et Taha Abd al-Rahman, qui est encore vivant, même si les deux ont une vision différente. Taha Abd al-Rahman a une vision plutôt philosophique soufie, et al-Jabri a une vision rationaliste averroïste. Tous les deux disent la même chose. On a sacrifié l'éthique et on n'a aucune exégèse éthique, on n'a aucun tafsir éthique, on n'a aucune lecture juridique éthique, parce que même le juridique peut s'inspirer de l'éthique, et c'est ce qui pose aujourd'hui un grand problème au niveau de l'herméneutique. On a une impasse herméneutique, pas seulement au niveau des femmes, ça je parle en général. Mais c'est grâce justement à la question des femmes qu'on a pu aussi mettre en évidence cette question-là. Parce que combien de versets qui concernent les femmes, quand on les lit la première fois, on a l'impression qu'on est devant des versets assez inégalitaires, assez vraiment durs, mais on ne lit pas le texte, le verset qui est avant ou qui est après, et on ne lit pas la vision, on ne fait pas l'approche holistique ni maqasidiya pour voir que chaque verset se termine par une direction, c'est-à-dire il nous dirige vers l'éthique. Chaque verset se termine par tilka hududullah la ta'taduha. Ce sont des frontières éthiques. C'est pas le hudud dans le sens de l'ahkam. Et quand il dit dans tous les versets, surtout les versets qui concernent les femmes, bil ma'aruf, eh ben c'est tout ce que je vous dis dans le Coran doit être traité au sein du ma'aruf, du bien commun. Et donc toute cette question éthique n'a pas été reprise. Alors vous avez cette dimension éthique qui est importante, qui parle de l'aql, qui parle d'afalayatadabbaroun, qui parle de justice, l'adl, inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan, c'est-à-dire la justice avec l'excellence. Est-ce que aujourd'hui, je vous défie d'aller ouvrir un livre de hadith ou des compilations historiques de tafassir et de voir s'il y a eu s'il y a eu une focalisation sur l'importance de l'adl, de la justice. Elle est quasi absente. Quand on parle de l'islam, on parle d'autre chose et on ne parle pas de cette valeur qui est le cœur de l'islam. Je trouve que la justice, que iqamat al-adl, c'est quelque chose qui est central dans le... Et elle est importante aussi dans cette question des femmes, parce que tout ce qui est discrimination est contraire à l'islam, finalement, parce qu'il est contraire à l'adl, à l'exigence de justice qui est imposée par Dieu. Donc, regardez la différence entre « Inna Allah ya'mur bil adl » et avec la liberté de conviction. « Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur » C'est quand même important. Donc, liberté de conviction qui, aujourd'hui, pose problème encore à beaucoup de musulmans, alors qu'elle est claire et nette dans le texte religieux. Donc, cette lecture éthique est aujourd'hui très importante parce qu'elle met en valeur ces principes universels qui sont éternels. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui, ce que dit Abdelkrim Sorour, que j'aime beaucoup, qui est réformiste iranien et qui est banni de son pays, mais qui dit quelque chose de très important. Le grand défi des femmes et des hommes réformistes aujourd'hui, c'est comment réconcilier entre l'éternel, qui est le message spirituel, et le temporel. Et là, il dit qu'il faut faire la différence entre ce qui est le cœur de la religion et ce qui est la connaissance et l'interprétation de knowledge religieux, c'est-à-dire l'interprétation religieuse. Et c'est ça qui nous a posé problème. On n'a pas de problème avec la religion, on n'a pas de problème avec le texte en lui-même, on n'a pas de problème avec le message spirituel, on a un problème avec la compréhension de ces textes. Et donc, l'histoire le dit, le texte reste le même, mais les compréhensions changent. Et c'est ça ce qui est important. Pourquoi aujourd'hui on nous oblige à avoir la compréhension des gens qui ont vécu au 11e, 9e, 8e siècle, alors qu'eux, ils ont fait leur ijtihad, ils ont formulé leur compréhension, ils l'ont traduit dans la réalité à partir de leur urf, de leur contexte, à partir de leur compréhension. Et c'est très bien. Mais ce qui est inadmissible, c'est de rapporter cette compréhension et cette interprétation et la calquer au 21e siècle. Je vous donne un exemple pratique pour pouvoir illustrer tout ça.
Vous avez tous entendu de cet incident qui s'est passé il y a 3-4 ans sur cette maman qui a célibataire, qui a eu une petite fille et qui a voulu, qui connaît le papa bien sûr, qui a refusé de prendre ses responsabilités, donc qui a eu un enfant, une petite fille née hors mariage, et donc elle a porté plainte à la justice, donc au tribunal de Kenitra, qui, miracle, demande le test ADN. Le test ADN sort positif, et c'est pour la première fois, et donc le père est reconnu en étant le géniteur biologique, etc. Et le père va aller à la cour de cassation, et cette sentence va être cassée. Comment ? Alors j'ai appris après que le juge était une femme, et ça c'est pas étonnant, hein, attention, hein. C'était une femme. Et qui va refuser l'ADN, refuser de reconnaître l'ADN, en allant en ayant comme argumentaire une fatwa de Ibn Hazm de 11e siècle qui dit que el waled lil firash, c'est-à-dire il doit y avoir un firash conjugal, un lit conjugal, mariage, pour qu'on puisse dire que l'enfant est né de alors que les juristes musulmans du 9e, 10e, 11e siècle étaient beaucoup plus flexibles sur beaucoup de questions comme celle-là, hein. Et pourquoi elle a choisi juste Ibn Hazm alors qu'il y avait d'autres qui préconisaient le stilhaq, qui préconisaient el qiyafa, c'est-à-dire beaucoup de, même Ibn Taymiyyah qui est vraiment le diable pour certains. Eh bien, pour lui, on peut dire l'istilhaq al-walad lizani quand il y a preuve. Et les preuves, à l'époque, c'était le qiyafa. Et le qiyafa, c'est quoi ? C'est la comparaison physionomique, parce que c'est le prophète qui l'a préconisé au début. Et il y avait des femmes, surtout, qui étaient très, très connues, expertes dans cette comparaison. Donc, on ramenait le supposé papa avec l'enfant, ou la deux ou trois, et puis elle... Alors, c'est des choses qui étaient... c'est les seules choses qui étaient, c'est-à-dire, possibles à l'époque, et on a fait avec. Et aujourd'hui, alors qu'on a un test ADN qui est fiable à 99,99%, on le refuse. Mais ça montre quoi ? Ça montre, ici, l'impasse qu'on a faite sur toute la réforme du religieux. Alors... Ça risque de réveiller tout le monde. On va continuer un peu à évoquer des questions qui fâchent, sans nous fâcher finalement. Parce que ce sont les vraies questions qui posent toujours le dilemme. Alors, je vous entends, je vous écoute, je crois qu'on vous écoute avec énormément d'intérêt. Je crois que la plupart de vos lectures correspondent effectivement à une lecture extrêmement lucide de la réalité, mais la lucidité n'est pas toujours synonyme d'aller jusqu'au bout de la mêlée. Alors, moi, je voudrais vous dire tout simplement, vous parlez de « on ». Qui est ce « on » ? Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Lorsque vous dites que « on ne veut pas, on ne fait pas, on n'applique pas », est-ce qu'on peut nommer le « on » ? Parce que, dans une société comme la nôtre, j'ai dit une bêtise, là. Mais alors, on va dire « nous », alors. Alors nous, hein, nous les responsables, hein, parce que nous sommes responsables de nous. Parce que pour moi, le « on », c'est le « nous », finalement. Le « nous » en tant qu'acteur, en tant qu'institution, en tant également comme... Finalement, pour compléter cette question qui fâche, vous voyez, ça se voit que ça fâche, hein, donc, enfin ça fâche, au sens où ça soulève quand même une interrogation, et je crois que tout le monde a compris de quoi nous parlons. Il ne s'agit pas de parler de personne, il s'agit de parler de courant de pensée. Est-ce que nos élites ont failli dans ce travail que peut-être, alors je vais donc oser cette comparaison, comparaison n'est pas raison, mais quand même, il faut comprendre que les peuples sur ces questions-là se ressemblent. Tout le monde a eu des problèmes sur ces questions. La femme en France, il faut le rappeler, n'a voté qu'en 1947. La Révolution française, c'est 1789. La femme en France, jusqu'à la veille de 1968, pas 1800, 1968. La femme française n'avait pas le droit de voyager si elle n'avait pas l'autorisation de son mari.
La femme française n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans qu'il soit. C'est pour ça qu'on a appelé dans le système bancaire français un compte conjoint. Et ensuite, on l'a changé par le compte joint. Cette variation, je dirais, du vocabulaire, on dit long sur les évolutions. Jusqu'en 1970, c'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça, le code de la famille française, le code civil, parle de la puissance paternelle. C'est-à-dire la mère n'avait aucun rôle. Il aurait fallu, parce qu'il faut rappeler quand même, non pas des événements sur lesquels il faudrait beaucoup tergiverser, mais dire tout simplement que les expériences des sociétés qui sont finalement beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pense, c'est qu'en 1972, vous le savez très bien, vous connaissez cet événement, le fameux procès de Bobigny, où Gisèle Halimi a été la grande avocate de cette affaire lorsque cette femme, justement, avait donc avorté clandestinement. Et finalement, ça a été le procès de l'État qui avait donc voulu infliger cette sanction à cette femme. Autrement dit, nous sommes dans la modernité française, je dirais encore plus proche. Et donc, nous pouvons également, comme dirait Talleyrand, ce fameux conseiller de Napoléon, quand je me regarde, je me désole, mais dès que je me compare, je me console. Et peut-être, parfois, il faut suivre un peu cette allégorie de Talleyrand. C'est qui se ont, je ne vous demande pas d'avouer, je vous demande tout simplement de nous décrire quel est le processus par lequel cette stagnation continue à fonctionner et quelles sont peut-être quelques voies, quelques pistes de sortie, car vous êtes quand même, et il faut le rappeler, une femme engagée, une femme crédible, une femme qu'on vous écoute parce que vos lectures sont reçues comme étant, disons, une consolation. Et ça console beaucoup de femmes. Et à mon avis, vous et moi, ce soir, aussi, on se console d'avoir ce public avec nous. Oui. Non, j'espère que je console les hommes aussi, pas que les femmes. Non, mais les mecs, ils en parlent pendant longtemps. Hein. Laissons-les tranquilles. Non. Moi, franchement, en tout cas, ma vision de... Je ne suis pas la seule. Hein, mais je crois que cette vision réformiste éthique... se veut une vision qui englobe hommes et femmes, parce qu'on ne peut rien faire sans les hommes, mais les femmes, je pense que c'est quelque chose qui est inclusif, parce que moi je vais de ce point de départ qui est cette notion de théologie humaniste qu'on a dans le Coran, où le Coran le plus souvent parle de l'insan. Et donc, moi, je suis un peu crispée quand il y a des discours, surtout religieux, quand on parle de la femme en tant que mère, sœur, femme, épouse, mais jamais en tant que femme, en tant que femme, et en tant qu'être humain. Et c'est rare quand on dit l'homme en tant que frère, père, etc. C'est toujours la femme qui a cette responsabilité d'être mère, d'être fille, d'être, etc. Alors que tous les deux, dans le Coran, ce sont des êtres humains. L'insan. Et donc, et puis vous avez de quelques misogynies comme ça, des paroles misogynes qu'on retrouve partout dans les discours religieux. Al-mar'a da'ifa, elle est faible, elle est naqisat aql, elle est tous ces qualificatifs très dévalorisants et qu'on ne retrouve nullement dans le Coran. Moi, je défie quelqu'un qui puisse me dire que al-mar'a naqisat aql fait dans le Coran, ou que l'homme est supérieur à la femme, ou qu'elle est da'ifa, alors que le Coran dit « wa khuliqa al-insanu da'ifan ». Donc l'insan, en tant qu'homme et femme, on peut être faible, oui, tous les deux. Donc vous voyez, c'est ces questions-là qui sont importantes à rappeler aussi, parce que ce n'est pas des détails, c'est des choses importantes. Donc hommes et femmes, nous sommes, et je crois que cette question des femmes touche vraiment au cœur de cette... Ce n'est pas juste une question d'égalité. Moi, je le dis souvent, il ne faudrait pas faire de l'anachronisme. Le Coran ne parle pas de moussawet, d'égalité, dans le sens qu'on le connaît aujourd'hui, l'égalité de genre. C'est vraiment faire de l'anachronisme. Donc, il parle de quelque chose qui, à mon avis, est plus inclusive, plus transcendante, celle de la justice égalitaire. Et je trouve ça plus beau, parce que ça nous permet, ça nous donne des latitudes aujourd'hui pour adapter justement, nous adapter à notre contexte qui est fondé donc dans ces choix démocratiques sur l'égalité, etc. Je voulais juste revenir, avant de parler du « on »,
revenir sur une question très importante que vous avez rappelée sur la question en Europe des femmes qui s'est fait très tardivement, etc. Et oui, parce que la question des femmes, la question de l'égalité homme-femme, c'est une question qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un idéal dans toutes les sociétés, quel que soit leur degré d'évolution. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ça transcende les cultures, les religions, les civilisations. Donc, on a un vrai problème. Les femmes ont été invisibilisées partout dans toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas le propre de l'islam. Ça, c'est un premier point. Au niveau des religions, bien sûr que l'Europe a fait sa sortie du religieux et a fait cette séparation, c'est pour ça qu'on le sent moins, mais quand vous allez vous pencher, quand moi j'ai des discours et des débats et des conférences avec des féministes ou des théologiennes juives et chrétiennes, et quand elles font une relecture de leurs textes, je peux vous dire que le Coran, c'est franchement, ça n'a rien à voir, c'est vraiment très avant-gardiste par rapport à ce qu'on a dans ces lectures-là. Donc nous, le problème qu'on a eu, c'est les compilations interprétatives qui ont fait du copier-coller. Je vous donne juste l'exemple de la création de l'être humain, de la création de Adam et de Ève, qui est au niveau du Coran absolument égalitaire. C'est une création égalitaire, complètement égalitaire. On ne retrouve pas la femme en tant que génératrice du péché, ni de sortie de la côte d'Adam, etc. Mais on retrouve ça dans toutes les tafassirs. Mais il ne faut pas oublier que la plupart aussi des mufassirines étaient aussi soit convertis, des chrétiens et juifs convertis, et qu'ils ont été influencés par leur environnement, par les textes bibliques aussi. Et donc, on était aussi dans l'ambiance de l'époque. Hein. On ne pouvait pas parler d'autre chose que d'infériorité des femmes. Mais par exemple, quand vous voyez l'avortement, vous avez parlé d'avortement, comment ça s'est passé en Europe et comment c'est... Nous, on a fait l'inverse. Aujourd'hui, dès que vous parlez d'avortement, vous avez juste l'interdit, le tabou, on ne parle pas de ça, c'est interdit en islam. C'est faux. C'est faux. Revenez et vous allez voir ce que les juristes et les théologiens ont dit du 8e jusqu'au 12e siècle. Malgré leur misogynie, malgré leur vision patriarcale, il n'y a jamais eu de consensus sur l'avortement. Par contre, il y a eu une pluralité d'interprétations et franchement, des choses qui sont hyper libéral par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Vous avez ceux qui interdisent complètement, comme l'imam Malik. Vous avez Abu Hanifa qui permet jusqu'au 120e jour. Vous avez Shafi'i et d'autres qui permettent 40 jours. Donc vous avez des sorties, vous avez des alternatives et ce n'est pas de l'ordre de l'interdit. Donc il n'y a pas eu de consensus ou de ijma' quand on veut, comme on veut nous le faire aujourd'hui, comprendre. C'est une question qui n'est même pas à débattre et c'est une inversion des valeurs. C'est beaucoup de théologiens, de penseurs aujourd'hui parlent d'inversion des valeurs. Alors le « on », est-ce que c'est l'élite qui a échoué? Je pense qu'on a tous échoué. On a tous notre responsabilité par rapport à ces questions-là. Nous avons laissé le terrain à un courant religieux qui, depuis les années 70-80, a fait son travail, a miné la société, et l'élite était ailleurs, il faut le dire. Et puis, les théologiens officiels manquent de courage. Moi, je le dis très sincèrement. Aujourd'hui, on manque de courage intellectuel et les premiers à manquer de courage intellectuel, ce sont nos institutions religieuses. Parce que c'est à eux de répondre aujourd'hui à des questions qui touchent à la société. Franchement. Et ça me fait mal au cœur parce que j'ai travaillé dans une institution religieuse pendant 10 ans et on a eu des débats très animés, des débats très sincères, des débats ouverts. Il y a des potentiels, il y a une certaine ouverture, mais les gens ont peur. Ont peur parce qu'on est dans la hiérarchie, ce sont des fonctionnaires donc du religieux, et donc on n'a pas cette liberté, cette indépendance et cette autonomie pour parler de... Donc on manque de courage intellectuel. Et l'élite qui dit aussi que la société n'est pas prête, enfin pas l'élite, mais certains partis politiques, moi j'ai entendu des partis politiques, même de gauche,
quand on a présenté des alternatives et des propositions de réforme, nous dire « Non, 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 vous cassez la tête, la société n'est pas prête, je suis désolée. » Ce sont les élites qui ne sont pas prêtes pour faire ce combat-là. Alors, nous allons continuer et même terminer peut-être avec un autre thème, toujours dans la filiation de ce que vous avez dit à l'instant, avant de passer évidemment aux questions du public, dont je rappellerai tout simplement que je retirerai le micro si ça dépasse deux minutes. Je préviens le public parce qu'on est là pour poser des questions, pas pour faire une contre-conférence, mais en tout cas, je reviendrai tout à l'heure pour le redire. Au terme provisoire de ce que vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir pratiquement point par point, mais c'est déjà important, je crois que ça relance un débat, ça permet de réfléchir. Finalement, vous parlez de la responsabilité de tous, évidemment, mais il y a ce qu'on peut appeler une hiérarchisation des rôles. Tout le monde n'est pas responsable de la même façon. Entre les décideurs et ceux qui ne décident pas, ou ceux qui n'ont même pas la possibilité de comprendre ce qui se passe, etc. Est-ce que finalement, c'est une question, est-ce qu'il n'y aurait pas là, encore une fois, une incapacité à la fois de nos élites, et là l'élite doit être prise dans son sens le plus abstrait, c'est-à-dire institutions, partis, mouvements sociaux, sociétés civiles, intellectuelles, je pense que tout le monde doit être interpellé, pour ne pas dire appelé à la barre de l'histoire, pour pouvoir répondre un peu à ces questions. Finalement, est-ce que nous avons encore, pour le moment encore échoué, à faire ce que l'Église catholique a fait, parce que l'Église catholique, faut-il le rappeler, on l'oublie très souvent, que jusqu'en 1962, elle était complètement embourbée dans une lecture passéiste, où l'héritage catholique était compris comme une doxa, une norme juridique, je dirais, partout, valable, et voilà que le Concile Vatican II, ce fameux Concile Vatican II 1962-1965, avait donc décrété ce qu'on appelle dans l'Église l'aggiornamento, c'est-à-dire cette mise en conformité de la doxa, de la vérité catholique à la modernité. Donc, de 1962 à 1965, ce Concile Vatican II, qui est la réunion de tous les évêques à Rome, qui était de 1300 évêques, et qui ont décidé, je dirais après un débat de 3 années, tout simplement, d'aller pour la modernisation de l'Évangile et non plus de l'évangélisation de la modernité. C'est le terme qui est écrit au cœur et dans le socle même de ce christianisme nouveau. Où, par ailleurs, en 1977-78, cette modernisation de l'Évangile, qui n'est plus donc une doxa de l'Église, c'est Jean-Paul II qui va donc l'abolir. Il partira à la reconquête du monde, dont il va donc décréter l'évangélisation du monde, et le débat est en cours là, à l'intérieur même de l'Église. Est-ce que finalement, l'élite musulmane n'est pas appelée, non pas à faire la diadamento, mais de pouvoir, d'une certaine façon, prendre la décision de reprendre tous les thèmes que vous avez évoqués, à savoir qu'il n'y a pas consensus sur un certain nombre de questions fondamentales, il n'y a pas d'accord sur des lectures, et qu'il faille peut-être prendre en considération quelque chose de très simple qui s'appelle l'histoire. Est-ce que nous avons encore raté notre aggiornamento? Oui, malheureusement, je le crains, mais je garde l'espoir, parce que quand je vois ces jeunes théologiens et théologiennes qui sont dans l'ombre et qui ont revu leurs copies, beaucoup, même si ils ont eu un cursus assez rébarbatif, je dirais, parce qu'il faut, aussi, ça c'est aussi la question de l'éducation, il faut aller voir ce qu'on leur enseigne, depuis l'école, d'ailleurs le cursus scolaire, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les branches de la charia islamia, de tout ce qui est science islamique, pour comprendre d'où est-ce qu'ils viennent. Et pour savoir qu'ils sont absolument, complètement enfermés dans une lecture, pas uniquement passéiste, mais une lecture qui est absolument déconnectée de la réalité. Donc, c'est des gens qui font un déni de la réalité, en fait. Et donc, il n'y a pas que ça. Donc, ce dont vous parlez aujourd'hui est, à mon avis, difficile, mais en même temps possible. Il faut juste qu'il y ait ce que j'appellerais une espèce de un safe space,
commun. Alors, trouver un terrain commun de confiance. Parce que là, notre société et la majorité des sociétés musulmanes sont polarisées. Polarisées parce que vous avez les théologiens qui sont comme les gardiens du temple. Ils ont très peur, attention. Ils ont peur de perdre leur monopole. Ils parlent au nom du sacré. Ils ont l'impression que ils sont. Et si on les remet en cause, tout va s'écrouler. Ils vont perdre leur pouvoir, premièrement. Et ils ont l'impression qu'on va démolir l'islam, etc. Et puis, vous avez aussi une élite intellectuelle qui, moi j'ai eu beaucoup de débats avec ces gens-là, qui vous disent « Ah, moi je ne suis pas expert en religion, moi je peux pas, je vais parler que du côté droit humain, droit universel ». C'est très bien, mais la majorité des lois aujourd'hui qu'on doit réformer sont d'inspiration religieuse. La majorité des lois qui posent problème aujourd'hui ont lien avec l'interprétation religieuse. Et la religion, c'est l'affaire de tous. Je suis désolée. Les théologiens, les institutions religieuses sont là, et justement, c'est ce que je voulais vous dire, l'Église, c'est pas le clergé entre guillemets qu'on avait ou qu'on a comme ces institutions officielles, parce qu'ils n'ont pas ce droit d'inquisition, ce droit, c'est-à-dire de ce droit de d'édicter des lois divines. Ils édictent des fatwas qui sont qu'on peut prendre ou qu'on ne peut pas prendre. Ça, c'est connu dans toutes les sciences islamiques. On n'est pas obligé de suivre la fatwa de tel ou tel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs écoles juridiques et divergences, pluralité, etc. Donc, tout ça pour vous dire que c'est possible, mais c'est difficile de le faire. Ça va être très difficile parce que c'est une question de pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que même quand on a fait rentrer des théologiennes femmes dans les conseils de fatwa au Maroc, dans les mejlis le ulama, elles n'ont pas le droit à la parole. Ce sont des femmes qu'on a ramenées pour la galerie. Je suis désolée de vous le dire, je connais ça de l'intérieur. Donc, elles n'ont aucun mot à dire. Et ça, c'est malheureux. Et cette question des femmes, c'est le point... je dirais le point aveugle de toute la question de la réforme donc du religieux. En tout cas, il y a une victoire dont il faudrait se réclamer tous les jours, c'est que ici au Maroc, à Salé, en plein mois du Ramadan, on a la possibilité de débattre d'une question si fondamentale, si sensible. Je ne connais pas, je parcours le monde arabe depuis 25 ans, je ne connais pas un seul pays arabo-musulman où ce débat, en plein mois du Ramadan, avec une telle liberté, avec une telle lucidité, avec une telle aisance, a lieu. Je pense qu'on peut quand même se féliciter de cet espace qui nous est cher. Je pense que c'est un acquis. Et je crois que cet espace est peut-être un pas vers ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Je terminerai, si vous me le permettez, uniquement par ce à quoi vous avez fait référence au tout début de votre intervention, c'est-à-dire lorsque vous avez mis l'accent, le curseur, sur la question de l'éducation. Il faut rappeler à ceux qui ne le savent pas, parce que c'est une question d'histoire, la France républicaine, qui se disons, gargarise parfois un peu trop de sa grandeur intellectuelle, de son progrès, la France républicaine moderne n'a commencé qu'à partir de 1870 avec ce qu'on appelle l'école de Jules Ferry. Pourquoi ? Parce que lorsque la France a perdu la guerre contre la Prusse, en 1871, Jules Ferry est monté sur sur l'estrade à l'Assemblée nationale, car il était député avant d'être ministre d'instruction, en disant la chose suivante. Nous avons perdu la guerre contre la Prusse parce que c'est l'école allemande qui a battu l'école française. Et là, il va comprendre que l'école, c'est-à-dire le savoir, l'instruction publique, c'était le terme qui était utilisé. C'est à partir de ce moment-là que la France a fondé ce qu'on peut appeler le modèle républicain. Je crois que c'est une leçon, d'une certaine façon, à suivre, à savoir, seule l'école, seul le savoir. Comme vous l'avez dit, reste un peu l'horizon indépassable, pour ne pas répéter Jean-Paul Sartre. Je vais rebondir très rapidement sur ce que vous avez dit, qui est très important, justement, sur cette question de l'éducation et l'enseignement. Je crois que c'est tant qu'on fait l'impasse sur ça, on a beau avoir toutes les lois progressistes du monde, comme vous le voyez, elles resteront ineffectives. Parce que
ceux qui sont aujourd'hui en train c'est-à-dire d'exécuter ces jugements, etc., n'ont pas eu ce choix-là, n'ont pas été éduqués dans ce sens-là, et donc ça va être toujours une résistance. Le seul apport qu'ils ont eu, ce sont des discours religieux qu'on leur a donné, soit dans la mosquée, soit dans des chaînes télévisées satellites, soit dans les réseaux sociaux, soit dans ce qu'ils ont comme compilation très ancienne. Donc, et quelque chose qui me tient à cœur, c'est que dans cette éducation, la réforme du religieux commence par ça. Il faut éduquer les enfants à une chose très importante depuis leur cursus primaire. C'est que les valeurs universelles ne sont pas incompatibles avec les valeurs éthiques de leur référentiel religieux. C'est comme ça qu'on va, c'est-à-dire former des enfants, des jeunes et des adolescents après, qui ne sont pas schizophrènes comme on le voit aujourd'hui, et qui ont une dichotomie, si on veut, entre leurs pratiques cultuelles. Vous les voyez partir à la mosquée, vous avez les apparences, vous avez une religiosité extraordinaire, mais vous avez une éthique absolument absente, et vous avez une résistance et parfois une haine de l'Occident, des valeurs universelles, etc. Donc tant qu'on n'a pas fait cette réforme globale qui puisse concilier et qui puisse montrer que nous, et avec cette lecture éthique donc des textes sacrés, montrer que nos valeurs, dans le référentiel islamique, bien sûr, relues, revisitées et recontextualisées, ne sont pas du tout incompatibles avec ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs universelles. Merci beaucoup. Merci. Alors, chère Asma, vous allez passer sur le gris des questions. Alors, je prendrai quelques questions. J'ai bien rappelé qu'il s'agit, s'il vous plaît, de questions. C'est-à-dire il ne sera pas question de faire une contre-conférence, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre un maximum de questions et que Asma, vous allez prendre peut-être 1, 2, 3 questions, puis après vous répondrez. Allons-y. Oui. Pardon. Merci pour cette conférence instructive. Franchement, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, surtout lorsque vous avez évoqué la dimension historique. C'est vrai que nous ignorons beaucoup de choses sur l'histoire de l'évolution de l'islam à travers les siècles. Il y a eu, comme vous l'avez souligné, des hauts et des bas. Et puis, toute la période de l'islam en Andalousie, les noms que nous connaissons et qui étaient des précurseurs et des gens déjà versés dans la modernité. La complexité, moi, de l'islam, c'est que l'islam veut être aussi une religion qui a vocation à gouverner, à gérer les affaires publiques, donc à faire de la politique. Et c'est là où il y a la complexité, et c'est là où il y a les différentes interprétations, assez diverses d'ailleurs, des courants et des interprétations que nous entendons ici et là. Moi, je voudrais revenir sur la question, ma question, celle qui n'a pas été évoquée dans votre exposé et qui est, à mon sens, fondamentale par rapport aux autres questions qui sont également importantes, mais la question fondamentale, parce qu'elle relève justement de la justice, et vous avez dit que le maître mot dans l'islam, c'était la justice, effectivement. D'ailleurs, même dans le débat populaire, on évoque souvent Omar ibn Khattab comme modèle, parce qu'il était juste. Et donc, c'est, dans cette justice, il y a la question de l'héritage. Vous pouvez nous dire d'une manière claire et précise... Non, je le voyais tourner autour depuis tout à l'heure. Eh bien oui, parce que moi... Nous y voilà. Donc la question de l'héritage. Au Maroc, dans le contexte qui est le nôtre... Voilà une question qui fâche. Je pense que le débat était déjà enclenché. Je pense qu'il faudrait le mettre un peu plus au clair aujourd'hui.
parce que tout le monde est d'accord pour que cette justice entre les hommes et les femmes soit enfin établie. Alors on va laisser Asma répondre. Et ça pose répondre. Énormément de problèmes. Deuxième question. Ça, c'est... Très bien, très bien. Vous avez... il y a une question ici. La question de l'héritage, évidemment. Oui, oui. Pardon, excuse-moi. Inévitable. Je répondais la deuxième, troisième, mais bon, il est sorti la première. Bonsoir, Asma. Bon, je vais commencer par vous témoigner toute mon admiration. Vraiment, j'ai écouté beaucoup de podcasts où vous avez participé. J'ai pas encore lu beaucoup de vos livres, mais j'espère m'y mettre bientôt. J'espère que cette conférence sera le début de ma rencontre avec vos lectures. Alors, vous avez parlé du manque de courage des institutions marocaines et des penseurs et des théologiens par rapport à l'ijtihad dans l'islam. Et il me semble qu'à travers mes écoutes, que en fait, cette remise en question de l'islam et cette prise de distance par rapport à ce que les textes nous proposaient venaient beaucoup du Nord, de l'Europe, quoi, pour être plus... Donc, est-ce que vous pensez que le salut de l'islam viendra de l'Europe ? D'ailleurs, c'est le titre d'un des ouvrages les plus célèbres du penseur iranien... Après qu'il soit terminé. Non. Il est toujours vivant, il est à Genève. Mais bon, allez-y. Voilà, ma question, elle vient d'ailleurs de votre dernière remarque, sur l'universalisme que vous rattachez à des valeurs occidentales. Le mot Occident étant d'ailleurs mal défini, puisque nous sommes au Maghreb qui est l'Occident. Très bien. C'est l'Occident musulman, mais c'est l'Occident. Et l'Andalousie était l'Occident. Bon, très bien. Donc on ne peut pas faire d'une valeur géographique une valeur de valeur. Est-ce que, pour faire, parce que nous sommes au 21e siècle, c'est ça ma question, est-ce que nous sommes obligés de nous référer à un référentiel que nous ne maîtrisons pas et qui parfois nous est opposé parce qu'on a connu le colonialisme, etc., alors que nous avons notre propre référentiel? Je ne vais pas faire un discours, parce qu'il ne s'agit pas de faire un discours, mais une question. Prenez un exemple. La question de la tolérance. On dit souvent que l'islam est intolérant. Très bien. Mais l'islam, il dit là, ikraha fid-din. Et vous avez rappelé tout à l'heure que... Donc, et sur des tas d'autres questions, y compris celle de la femme, il y a un humanisme musulman qui vient de loin, d'ailleurs. Et donc, nous n'avons pas... Si nous voulons convaincre notre société, et quand je parle de notre société, ce n'est pas seulement la société marocaine, c'est la société du monde arabo-musulman, il faut que nous nous référions à nos valeurs, mais dans un sens humaniste. Est-ce que c'est possible ? C'est une bonne question. Je crois que je vais répondre. À mon avis, vous commencez. Alors, pour la question de l'inévitable question de l'héritage, qui est une question très importante parce que elle est au cœur de l'égalité homme-femme, c'est vrai. Et c'est une question très taboue aujourd'hui. Vous voyez chaque fois comment les sorties sont... Alors moi, je n'aime pas répondre à la question de l'héritage sans faire un détour par l'histoire. Vous allez m'excuser parce que justement, le problème, c'est qu'on sort toute cette question de l'héritage, de son environnement, justement au niveau des textes sacrés, de son évolution dans le faire, dans la... Et ça ne nous permet pas de voir les défis et les challenges qui nous attendent par rapport à ça. Et si on n'a pas compris l'historique de l'héritage, je ne pense pas, et convaincre les gens par rapport à ça, je ne pense pas qu'on pourra présenter des alternatives audibles. Et je reviendrai à votre... Et ça, c'est l'une des réponses à votre question. C'est que, voilà, dans l'héritage, on a des réponses au sein de notre référentiel religieux, sauf qu'il n'a pas été lu comme il fallait et qu'il n'a pas été approché de cette façon. C'est très simple.
il faudrait suivre le... Beaucoup parlent de Al-Qira al-Sahmiya, c'est-à-dire c'est en flèche. Le Coran a une lecture assez pédagogique et assez progressive dans sa façon de, pas d'imposer, de produire des règles, des normes, et qui sont très intéressantes à suivre si on veut comprendre après le but finalement, le but qui est, c'est quoi le but. D'abord, tout le monde sait qu'avant l'islam, les femmes n'héritaient pas. Dans la majorité des civilisations, elles n'héritaient pas. Bon, il y a des petites critiques par rapport à ça que j'ai découvertes récemment, donc chez quelqu'un comme Tariq Ali, qui a un livre extraordinaire sur les Arabes dans le Jahiliya, et qui montrait que les femmes d'une certaine noblesse avaient la demi-part de l'héritage. Donc, déjà, regardez, la demi-part qu'on retrouve au niveau de la fratrie, c'est pas quelque chose qui est venu... Le Coran reprend beaucoup de choses de la jahiliya, on le sait, même dans le pèlerinage, même dans beaucoup de rituels, il y a des choses qu'il a gardées tout en les transformant, en donnant une autre éthique. Donc là, les femmes, certaines femmes de la noblesse héritaient. Bref, mais en général, elles n'héritaient pas. Pour une cause très simple, c'est que les critères de l'héritage... Pour le contexte de l'époque, c'était seuls les hommes, mais les hommes qui étaient forts, les hommes qui montaient à cheval, qui protégeaient la tribu, qui ramenaient le butin, qui ramenaient l'argent, etc. Seuls ces hommes-là pouvaient hériter. Voilà. Les autres, les hommes âgés, les hommes handicapés, les femmes, bien sûr toutes, les esclaves, n'en parlons pas, les enfants n'héritaient pas. Donc, tout ce monde-là était exclu systématiquement selon cette logique-là, et parce qu'ils ne participaient pas à la défense de la tribu, ni à la maintenance du foyer familial ou de la tribu, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier groupe de versets qui est révélé et qui est très intéressant. Non, plus que ça, les femmes pouvaient être parfois héritées, c'est-à-dire faire partie de l'héritage quand il y a un mari qui est mort. Le beau-frère pouvait prendre, avec toutes les affaires, l'héritage du frère. La femme, en tant que produit de l'héritage, elle était héritée. Et donc, la première chose qui vient, c'est l'abolition et l'interdiction de l'héritage de ces femmes-là, c'est-à-dire de les hériter en tant que cette coutume-là. « Ya ayyuhalladina amanu la yahillu lakum an taritu nisaa karaha » Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un verset qui vient, et qui, à mon avis, c'est un verset qui est très intéressant, parce que c'est comme s'il ouvrait toute l'égalité dans sa forme globale, sans donner les cotes-parts, sans donner de détails. « Les rijal nasibun mima tarak al-walidan, wal aqrabun, wal nisa nasib mima tarak al-walidan, wal aqrabun mima qalla minhu aw katura nasiban mafrouda. » Donc là, c'est une ouverture. Il ne donne pas de détails, mais il vous dit, voilà, les femmes ont le droit d'avoir un nasib, et les hommes ont le droit d'avoir un nasib. Et puis, donc, elle rentrait dans les critères de malgré le fait qu'elle elle commençait à être à hériter, malgré le fait qu'elle ne rentrait pas dans les critères qui étaient connus à l'époque. Donc c'est une révolution quand même. C'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit. Vous avez un deuxième groupe de versets, et que j'appelle moi les versets, enfin pas moi aussi, il y a beaucoup de femmes, Olfa Youssef en Tunisie aussi, qui l'a dit la première fois, les versets oubliés du Coran sur l'héritage. C'est ceux qui parlent de quand vous commencez à partager votre héritage, il faut le donner aux pauvres, il faut le donner aux orphelins, il faut le donner aux esclaves. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ أُولُو الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ça, c'est quelque chose que les juristes n'ont jamais ressorti. Ça ne les intéresse pas. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas intéressante. Et moi, je trouve que c'est... oui, c'est une chose qui est assez intéressante, pardon, parce qu'elle permet une redistribution assez égalitaire au niveau de la société. Vous vous rendez compte, je trouve que c'est super intéressant de voir comment le Coran pensait aussi, quand il partageait l'héritage, à donner à ces pauvres-là pour que cette distribution soit beaucoup plus équitable. Donc, distribution équitable de richesse au sein de la société. Vous avez un troisième groupe de versets sur l'héritage, et là, qui sont absolument
catégorique, et ça parce que le Coran parle, commence le verset par « Kutiba alaykoum ». Kutiba alaykoum. On n'est plus dans « Wa idha hadara al-qisma ulul adab ». C'est vrai qu'on peut... « Kutiba alaykoum, idha hadara ahadakoum al-maut, imtaraka khayran al-wasiyya ». Al-wasiyya. Lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan al-muttaqin. Donc, al-wasiyya, c'est une obligation. Elle est là, elle est qat'iyyati d-dalala. Et puis vous avez après les groupes, le groupe de versets, de trois versets sur la distribution des quotes-parts, dont la fratrie et dont la demi-part de la fille. Mais au sein de ces versets-là, regardez-les, vous allez les retrouver dans Sourate Nisa. Yusikum Allah fi awladikum lid-dhakar mithla hadd al-unthayayn. Vous allez voir que après chaque verset, vous avez min ba'di wasiyati. Donc, et c'est extraordinaire parce que on ne peut faire le partage que si on a appliqué à l'oisille. Donc, il faut savoir aussi que cette inégalité n'est pas partout. Par exemple, quand un enfant meurt, un fils ou une fille, les parents, père et mère, héritent de la même part. Donc il n'y a pas la discrimination dont on parle, les femmes et les hommes sont inégalitaires, elle n'est pas toujours présente dans le Coran. Pour être l'enfant meurt, les pères et mères par égal, quand un défunt n'a pas d'enfant, son frère et sa sœur prennent la part égale aussi. Donc ça c'est intéressant à voir. Donc l'ordre dans lequel la demande de succession doit être réglée, c'est le testament, l'ouessia, sur les dettes, s'il y a des dettes, et les parts d'héritage après. Ça c'est normalement, quand on fait une analyse et un constat de tous les versets. Donc, premièrement, le droit à l'héritage est un droit pour tous et toutes. La répartition de l'héritage ne peut se faire qu'après l'oisilla. Le texte ne prévoit pas de limite pour l'oisilla. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous laisse, à chaque moment, à chaque contexte, pour ça qu'il est salih li kulli makan wa zaman, c'est-à-dire à chaque contexte, de l'adapter. Et bien sûr, il faut éviter le fait que le wasiya peut être aussi injuste envers les enfants, peut privilégier des filles ou des garçons, ou privilégier des garçons au détriment des filles. Donc, ça, c'est quelque chose à débattre aussi dans une société. Donc, mais le gros problème, ce qui s'est passé, c'est que le fiqh, la majorité des juristes, il y a une minorité qui a reconnu le fait qu'il y a wasiya après aide la répartition, mais la majorité des juristes ont décidé, et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, j'ai essayé de lire, de relire, et je n'ai pas compris pourquoi ils ont décidé que les versets sur wasiya ont été abrogés. Abrogés par quoi ? Alors vous avez deux tendances, ceux qui disent par les quotes-parts d'Yel l'héritage, alors qu'on voit très bien que même dans les quotes-parts il y a Ba'd Wasiyatin Wadi, et d'autres ils vous disent non, ils ont été abrogés par le hadith. Hadith, c'est grave. Par le hadith, la wasiya li warit, ou là celui du un tiers du testament. Et dans les sciences islamiques, ils se contredisent, parce qu'ils vous disent le hadith ne peut pas contredire le Coran. Il le complète, mais il ne le contredit pas. Et là, c'est pas possible. On est devant quelque chose de vraiment de flagrant. Et puis la question du tasib, qui est inexistante au sein du Coran. Inexistante. Elle est inexistante même au sein du hadith, même si on a quelques hadiths qui ont été forgés par rapport à ça. Quand une épouse perd son mari et elle a que des filles, eh ben, les oncles, ce qu'on appelle l'héritage par agnation, d'ailleurs qui est un héritage qui remonte, qui est un héritage de droit romain, et on voit comment les juristes aussi se sont un petit peu inspirés de ce qui se passait dans le monde, et ils ont décidé que les oncles, les cousins, tous paternels, c'est-à-dire tous d'accord, donc de la famille du père, pouvaient rentrer, partager ce qu'il y avait, parce que je ne vais pas dire qu'on va les comprendre, mais à l'époque, c'était la famille élargie, traditionnelle, où l'oncle pouvait prendre en charge toute la famille, effectivement. On le voyait même avec nos grands-parents, etc. Donc, pouvait prendre en charge les filles, les loger même chez lui, etc. Donc, c'est un petit peu compréhensible pour le contexte de l'époque. Maintenant, alors, sachons que Tassib est inconnu chez les chiites et qu'il a été abrogé en Tunisie. Alors, on doit se demander aujourd'hui comment cette aberration au XXIe siècle
au Maroc et partout ailleurs est encore acceptable. Comment aujourd'hui, et ça je vous le dis sincèrement, des théologiens à qui on a demandé ça, on leur a dit, mais il faut réformer cette loi, et qui ont répondu, je ne citerai pas des noms, mais je suis témoin de ça, mais vous n'avez pas à changer la loi, laissez la loi et faites des contournements, donnez des dons à vos filles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, vous n'êtes pas convaincu par ce que vous dites, parce que si c'était le haram de haram, comme vous le dites, vous n'allez jamais le permettre. Consciemment. Et donc, ça veut dire qu'on préfère être dans l'hypocrisie au lieu que d'être dans la réalité des choses. Et on fait un déni de la réalité juste pour sauver la face d'une certaine institution théologique ou d'une certaine théologie ou d'une lecture du religieux qui n'a rien à voir avec justement ces valeurs de la justice. Et ça, je trouve que ça est profondément injuste. Il est aujourd'hui inacceptable. Inacceptable. Dans le cas de la fratrie, moi je vais aller plus loin, vous savez que je suis partie plus loin. Dans le cas de la fratrie, on dit que c'est un texte et il ne faut pas le toucher. Nasqatai. Alors moi, ce nasqatai, j'aimerais bien discuter, et j'en ai discuté avec des théologiens. Comment ce texte qatai, premièrement, il y a deux parts. La première part, quand vous dites que quand la fille prend une demi-part, vous estimez que c'est la cause, c'est que le frère la prend en charge. Alors que ça, ce n'est pas prescrit dans le Coran, je ne l'ai pas vu. Alors bien sûr, on nous remonte à la qiwama, le frère est qawam al-hada, donc il la prend en charge, etc. C'est pour ça que, très bien. Et la deuxième chose, c'est que vous ne parlez pas de le fait que l'wasiya, que le verset lui-même se termine par ba'da wasiyatin aw din. Alors ils vont vous dire ça a été abrogé. Bien sûr, cette question d'abroger, d'abrogant et d'abrogeant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, moi, je n'ai jamais rien compris à ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui a permis de forger des normes juridiques, je dirais, instrumentalisées politiquement, franchement. Et donc, alors, très bien, c'est la demi-part parce que le frère prend en charge la sœur. Ben c'est très bien s'il la prend en charge. Mais aujourd'hui, quand on a 20% des familles au Maroc qui sont portées par des femmes, quand vous avez des sœurs qui prennent en charge le frère, le père, la mère, tout ça, et qui après se retrouvent avec cette demi-part, moi je trouve que ça aussi c'est inadmissible. Pourquoi ? Tout simplement parce que Al-Qira Assehmiya, justement, le maqasid, le maqasid dans la répartition, c'est celui de l'adl. Parce que le verset, oui, il est inégalitaire, mais il est juste si on prend ce raisonnement de la prise en charge de l'homme par rapport à du frère par rapport à la sœur. Mais quand il n'y a plus de prise en charge, on est dans quoi? On est dans l'injustice. Et donc, on n'est plus dans l'islam. Et je pense que ça aussi, on doit avoir le courage de le débattre. C'est vrai que c'est très sensible, c'est extrêmement sensible, mais qui est-ce qui l'a rendu sensible? C'est un discours religieux qui a miné notre société pendant des décennies. Et c'est ça qu'il faut dire. Et on nous fait peur avec ça. On nous fait peur. Et on fait peur à la majorité des gens. Moi, je connais des gens des partis de gauche qui, aujourd'hui, refusent de parler de ça, justement. Parce qu'ils ont peur, parce que c'est une question qui est très sensible, parce que ça touche au texte. Mais tout touche au texte. Pourquoi vous savez que dans l'héritage, le Coran ne parle que de cinq, c'est-à-dire ceux qui ont le droit d'hériter. Ce sont le père et la mère, l'époux et l'épouse, le frère et la sœur et les enfants. Et qui c'est qui a fait introduire les grands-pères, les grands-mères, les cousins, Ben c'est l'ijtihad des sahaba et des gens après. Alors on nous dit qu'il n'y a pas d'ijtihad avec le nas. Mais il y a eu un ijtihad avec le nas. Vous avez rajouté des gens. Vous avez abrogé des versets. Vous avez oublié des versets. Donc qu'on ne vienne pas aujourd'hui avec une épée de Damoclès et nous dire vous ne débattrez pas de ça, vous ne toucherez pas à ça parce que c'est qatai. Je suis désolée, on peut en débattre. Donc Tassib est à abroger et débattre du verset
sur la fratrie, sur la question des filles, parce que des filles et des garçons, quand il y a une demi-part comme ça, quand elle devient injuste, on doit la revoir. Pour la question de la deuxième question, c'était, je pense, non, il y avait une autre question. C'est la question du universel. Non, avant. Ah oui, 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 là. Est-ce que l'islam viendrait, est-ce que le salut viendrait de l'Europe? Il y a énormément de penseurs réformistes qui sont en Europe musulmans et qui sont en train de faire un travail extraordinaire. C'est pas l'Europe en elle-même qui va. Mais ce sont des valeurs quand même qui ont été inculquées aussi, c'est-à-dire qui se sont inspirées des valeurs universelles de l'Europe comme elle est aujourd'hui. Et moi, je connais et je travaille avec beaucoup de réformistes et de penseurs qui sont femmes et hommes qui vivent maintenant en Occident et qui sont en train de faire un travail vraiment formidable sur cette relecture des textes et qui sont en train de donner des alternatives. Mais je dirais que ce sont des alternatives qui sont assez générales. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent pas le contexte dans lequel on vit. Alors, beaucoup viennent nous parler de, par exemple, de oui, il faut enseigner Ibn Arabi, il faut enseigner Ibn Rushd. On reste dans des alternatives comme ça, avec vraiment le courant rationaliste, il faut faire une interprétation rationaliste. Mais on n'a pas encore de méthodologie par rapport à une théorisation, c'est-à-dire une théorisation d'une méthodologie qui va nous permettre aujourd'hui de trouver des solutions concrètes. Et ça, c'est dans les pays où l'islam est religion d'État et référentiel important, où il faudrait les trouver. Et c'est là où je vais bondir à la question de Sergi, qui parlait de... Effectivement, oui, on peut se référer à notre référentiel aujourd'hui parce qu'il est plus audible, mais c'est le travail qu'on fait un petit peu, c'est-à-dire que toute cette déconstruction des interprétations religieuses discriminatoires, etc., cette reconstruction après d'une méthodologie, l'apport d'alternatives qu'on essaie de donner, c'est vraiment pour être audible. C'est pour ça que moi, je dis à certains qui veulent absolument se confiner juste ou se focaliser sur les droits humains et tout ça, et c'est beaucoup d'associations féministes sont venues me voir pour me dire qu'on n'est pas audible, bien sûr, parce que vous n'utilisez pas les concepts qui sont audibles aujourd'hui chez nous, qu'on le veuille ou pas. Mais excusez-moi de vous dire que notre référentiel aujourd'hui, ou la façon dont on l'aborde, ou la façon dont on l'approche, ne donne pas d'alternative intéressante. Et c'est-à-dire pratique aujourd'hui ou qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui sur le terrain des réalités. Et plus encore, quand vous parlez de référentiel religieux, bien sûr, donc il ne donne pas de, il n'y a pas de il n'y a pas donc de, comme je vous ai dit, d'alternative qu'on peut toucher comme ça concrète, mais plus que ça. Les valeurs universelles, moi je les appelle, comme celles de la non-discrimination, du respect, de la dignité de l'être humain, de l'égalité homme-femme, ce sont des valeurs, pour moi, qui sont islamiques aussi. C'est ça, donc je ne vois pas, mais elles ont été théorisées, qu'on le veuille ou pas, en Europe et aux États-Unis, qu'on le veuille ou pas, elles ont été théorisées là-bas. Nous n'avons pas théorisé de droits humains universels aujourd'hui dans la civilisation islamique. Ça, s'il faut le reconnaître, on ne les a pas théorisées. Et donc, on les a théorisés ailleurs, ça ne veut pas dire que ça ne revient pas, ce n'est pas le produit de toute, de l'Andalousie, de tout un apport des musulmans, des juifs, des chrétiens à la Renaissance européenne, ça on le sait. Mais, je suis désolée, le monde musulman n'a pas, à partir du 11e, 12e siècle, n'a pas apporté, n'a pas suivi l'élan de la modernité, et bien au contraire, est-ce que c'est le choc de la colonisation ou autre chose, il a régressé, il s'est enfermé sur lui-même, et donc il a eu un vrai problème avec ça, et a présenté ses droits universels et comme étant occidentalisés, alors que, comme vous dites, nous sommes aussi, nous faisons partie de l'Occident, mais c'était quelque chose qui était absolument inaudible et étrangère à notre référentiel.
Alors, nous allons prendre encore deux ou trois questions et on en aura terminé avec... Alors, j'ai une question, une deuxième, une troisième là-bas. Et évidemment, on va donner la parole. Merci. Un homme. Mais à la fin. Merci. Je voudrais très rapidement revenir à ce que vous avez dit et je vous remercie. Vraiment, c'était intéressant tous les deux. Et puis, Esma, j'adore comment tu parles et comment tu présentes. C'est génial. Par rapport aux années 70, vous avez évoqué en France les années 70. Nous, au Maroc, nous, les femmes, nous nous sentions libres dans les années 70, même si les lois n'existaient pas. Aujourd'hui, les lois existent et nous nous sentons moins libres. Pourquoi ? À cause de ce que vous avez dit, le coût de l'ignorance, de l'analphabétisme et de la pauvreté. Ma question, Esma, c'est par rapport aux théologiens. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils avaient peur de perdre leur pouvoir et que donc ils n'osaient pas. Mais est-ce que, ma question, est-ce que vous ne pensez pas que le seul pouvoir qui leur reste, c'est la question de la femme, et ils ont peur de la perdre? Merci. Je réponds très rapidement. Oui, oui, oui. Je suis complètement d'accord avec toi que c'est la seule... D'ailleurs, regardez, ils ne sortent pour faire leur discours ou pour réagir que quand il y a une question de réforme sur les lois des femmes, sur une question... Voilà. Ils ne sortent pas comme... En tout cas, moi, je ne les ai pas entendus sur cette question du viol de la petite fille. Pas du tout. Il n'y a personne qui est sorti, du point de vue religieux, dénoncer ce qui s'est passé. Oui, d'hier. Oui, c'est... Ouais. Non, bon, c'est pas qui c'est exactement, mais justement pour vous dire que ce silence est assez révélateur de quelque chose qui est aujourd'hui inacceptable, le fait que ces théologiens... Mais attention, ils n'ont pas certains ont peur de perdre leur pouvoir et ils savent très bien tout ça, ils sont même convaincus. C'est une minorité, mais le reste, ils sont convaincus parce qu'ils disent et parce qu'ils pensent. Et ça, c'est terrible encore. C'est plus... Alors, oui, bonjour, chers consoeurs. Je me permets de vous exprimer toute mon admiration. Vous êtes un modèle à suivre en tant que médecin et en tant que chercheuse. Justement, je voudrais vous exprimer le problème par rapport à l'éthique. Dans la pratique de ma profession, beaucoup de confrères font passer leurs convictions religieuses avant leur profession. Et donc, médecin. Et se retrouvent dans des jugements envers les patients. Ils font passer le bien-être de leurs patients. Et ils les traitent parfois très mal, avec un jugement en fonction de leur conviction religieuse. Et on se retrouve dans des situations parfois ubuesques. Pour vous donner un exemple, le jour où j'ai osé protester, j'ai failli perdre un patient parce que l'anesthésiste de garde est allé faire la prière du vendredi. Quand j'ai osé protester, on m'a traité de mécréante. Voilà. Et c'est des discours où quand on se retrouve, par exemple, avec des jeunes filles mères qui ont débuté leur avortement, ou bien dans des situations... Et quand on essaye d'avoir un discours, notamment avec les jeunes, pour essayer justement de leur inculquer des valeurs d'éthique... Quelle serait la conduite à tenir justement pour revenir vers ce discours de laïcité? Comment leur inculquer? Parce que finalement, ils ne découvrent le serment d'Hippocrate qu'au moment qu'ils le déclament, au moment de leur thèse, en fait. Je crois qu'on a parlé de ça. Je comprends très bien parce que effectivement, je suis médecin et j'ai
Et j'ai vu c'est-à-dire dans mon parcours, comment aussi la pratique de la médecine a changé ces derniers temps, etc. Et ça, c'est, on en a parlé, c'est le décalage qu'il y a entre l'éthique et la normativité. Voilà. Et donc, la normativité, la technicité, la religiosité, les détails dans la pratique religieuse ont pris de l'ampleur au détriment de l'éthique qui est fondamentale dans le religieux, l'akhlaq. Et ça, c'est quelque chose vraiment de... C'est le vrai problème de nos sociétés en général musulmanes, et dans toutes les pratiques, vous allez voir ça. Même les idarat qui, vendredi, ne vont pas, c'est-à-dire, régler les problèmes des citoyens et des citoyennes parce que, soi-disant, on est dans la prière, on est autre chose. Alors que, khayrukum khayrukum linnas, comme disait le prophète. Et donc, cette éthique-là, cette relecture à partir de l'éthique est fondamentale aujourd'hui si on veut changer ses mentalités. Et ces jeunes étudiants ou médecins, ils sont le produit, justement, je le redis, de ce discours qui, pendant 50 ans, a miné notre société et a fait que, justement, les apparences, la religiosité et tout ça, et la pratique religieuse, que je ne critique pas, elle est importante, point de vue religieux, mais elle ne doit pas se faire aux dépens de l'éthique. Merci Asma, c'est toujours un bonheur de t'écouter. Merci. Abdo, très heureuse de te retrouver aussi. Je me souviens, en 2016, nous avons partagé un panel au Festival des musiques sacrées à Fès, à propos des monothéismes et de la femme. À propos du salut de l'islam qui viendrait de l'Occident, il y a un hadith qui nous dit, je le rappelle brièvement, « La tazalu ta'ifatun min ummati fi ahli al-Maghrib, zahirina ala al-haq hatta taqoum sa'a, aw yati Allah bi amri. » Les choses sont claires. Maintenant, je suis très heureuse que le débat se fasse dans ma ville. Ce n'est pas par chauvinisme, mais c'est une tradition à saler. « Tjdid al-fikr ». C'est connu, et je suis très heureuse. Je n'aurais raté cette soirée pour rien au monde. Alors, ma question. Esma, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de Imamat al-Mar'a, puisque nous avons déjà plusieurs exemples en Europe. La question m'est souvent posée, et je n'ai pas l'argument pour y répondre, si ce n'est un argument émotionnel et sensible. Deuxième question, à propos de Urf, quel poids juridique a-t-il, sachant que nos lois sont votées au Parlement, que ces lois sont votées par les représentants de la nation, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire à ce niveau-là? Et je relis les deux. Parce que l'imamat al-mar'a, je ne le vois pas uniquement comme présidence d'une prière, mais aussi tout ce qu'il y a comme activité annexe et connexe avant et après la prière, notamment la sensibilisation aux valeurs morales universelles. Merci. Merci, Esmina. Pour imamat al-mar'a, c'est l'un des grands sujets tabous aussi dans le monde musulman, et vous avez tous les grands théologiens qui vous sortent avec c'est l'interdiction totale, etc. Alors que là aussi, il y a pluralité d'avis, il y a divergence, et jamais il n'y a eu un consensus par rapport à ça. Et c'est vraiment pour vous voir l'inversion des valeurs qui s'est faite, alors qu'au début, donc 8e, 9e jusqu'au 10e siècle, les juristes et les théologiens en débattaient, certains étaient contre, certains étaient pour, certains étaient juste pour Salat Tarawih, d'autres juste pour les femmes qui devaient faire l'imama pour les femmes, et d'autres non, pour les hommes et les femmes, puisque le seul critère qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un imam, c'était celui ou celle, enfin celui qui devait connaître le Coran par cœur. Donc la première fonction d'un imam, c'était ça en fait. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait ramener même des jeunes garçons qui connaissaient par cœur le Coran et qui pouvaient... l'interdiction n'existe ni dans le Coran,
encore moins dans le hadith où il y a un hadith qui est en faveur de l'imam et qui est connu, c'est le hadith de Waraqa, c'est une femme qui était assez érudite dans le Coran et qui vivait très loin de Médine et en allant chez elle, le prophète l'a attrapée et lui a dit « tu peux aller chez toi ». Et prendre un mu'addin et faire l'imama pour toi, et donc là, il y a la discussion qu'il y a eu, c'est que ahli dariha, ça veut dire ses enfants, son mari, etc. Et d'autres ont dit, alors pourquoi il lui a donné un mu'addin, si c'est juste pour dariha? Donc ça veut dire que c'est dans le sens de sa tribu. Et donc là, c'est ça où beaucoup de théologiens se sont inspirés de ce hadith en disant qu'il n'interdit pas, bien au contraire, on peut l'avoir. Donc, franchement, c'est une question que je trouve, moi, plausible, qu'on peut aujourd'hui en discuter sans tabou, mais les coutumes sont ce qu'elles sont. Et comme je dis, moi, à des femmes que j'ai rencontrées, les femmes imams de France, les deux, Karina Mahbahloul et Sophie, qui sont en train de faire ce travail-là et qui sont dans un contexte autre et qui ont des femmes et des hommes qui viennent dans leur mosquée. Moi, je ne vois pas pourquoi on va les interdire puisqu'elles sont musulmanes, elles sont convaincues de ce qu'elles font. Notre contexte est autre. Et moi, je me dis, il faut revendiquer d'autres choses avant de passer à l'imama. On est encore très, très loin de tout ça. Et ce n'est pas une revendication majeure, mais savoir que ce n'est pas un tabou, qu'il y a eu un débat par rapport à ça, et qu'on a un argumentaire, c'est celui du silence du Coran et de la parole du prophète, mais qui n'est pas rien quand même quand il envoie Waraqa avec un mu'addin pour faire l'imama dans son petit village. La question du urf est une question très importante. Moi, je ne suis pas contre le urf, parce que justement, le urf, qu'est-ce que c'est? Le urf, c'est les coutumes. Et les coutumes et les nouvelles modalités c'est-à-dire que l'on vit dans une société donnée, parce que l'urf change. L'urf change c'est-à-dire dans notre pays, on a l'urf de source, on a l'urf de fesse, on a l'urf. Et puis il change avec le contexte, avec le temps, avec l'environnement, avec les métamorphoses sociales. Donc ça a été toujours une source une source d'inspiration pour les juristes, les théologiens. Ils se sont toujours puisés quand le Coran est silencieux, quand le hadith est silencieux, quand il n'y a pas de consensus, soi-disant, de sahaba, etc., et de qiyas, ils partaient dans le urf et ils pouvaient en tirer c'est-à-dire des alternatives assez intéressantes. On a parlé tout à l'heure de l'Khiafa, qui était un urf connu à l'époque. Plus que ça, aujourd'hui au Maroc, on a des urfs qui sont complètement oubliés. Moi, je viens de recevoir un texte très intéressant, c'est un manuscrit de Ahl Sous, et qui parle de Nawazil, Nawazil Fiqhiya fi Sous, et qui est extrêmement intéressant par rapport à, bien sûr, on connaît tous le Qaddous Siaïa, qui n'est pas effectif, qui a été mis dans la Moudouana, mais qui a éprouvé des problèmes justement de mise en œuvre parce qu'on ne voulait pas partager le patrimoine au début d'un mariage, alors que c'était quelque chose de très connu dans le Sousse et dans le Rif du Maroc. Et dans ce petit livret manuscrit d'un faqih de Sousse, j'ai trouvé que Fouqaha Sousse donnait à la femme, il y avait deux, c'est-à-dire après lors du mariage, lors de l'acte, il y avait deux choses. C'est la première, c'est qu'on imposait au mari à ce qu'il lui donne au sein de la maison une chambre et la cuisine qui était en son nom. C'est bizarre, bon, la cuisine, on comprend, et la chambre, une chambre. Pas la chambre conjugale, une autre chambre qui doit être en son nom. C'est-à-dire que s'il y a un problème, elle ne sort pas de chez elle. Ça, c'est fiqh Nawazil Sous. La deuxième chose, c'est, j'ai oublié le nom en berbère, en amazigh, mais c'est le fait que dans l'acte du mariage, on ramène des témoins qui vont venir faire la liste de tout ce qui lui appartient à la femme et tout ce qui appartient à l'homme.
et on le met comme ça. Quand il y a un problème, ça, avec des témoins, ça, ça appartient à la femme, ça, ça appartient à l'homme. Quand il y a des problèmes, eh ben, on répartit ça de façon... Et ça, ça remonte au 10e, 9e siècle. C'est un hof vraiment de source. Donc, le hof est très important. Et justement, aujourd'hui, pourquoi ne pas s'adapter à notre hof de la modernité, de l'émancipation des femmes qui prennent en charge leur famille. Ça, c'est pas un hof. Ou bien on fait un déni de la réalité. Merci. Merci. Asma, est-ce que vous me permettez que je donne les deux dernières questions à des hommes ? Mais je vous ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Je crois que l'élégance féminine nous y autorise. Alors, messieurs, ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? C'est de poser des questions, très simples. Question rapide. Termine avec la voix d'une femme, parce qu'il faut... Interpellation plus que question. Allez-y, puis derrière vous, après. Bien sûr, il faut toujours faire référence au texte, c'est important. Mais par contre, lorsque je vois des modernistes comme vous, et j'en vois beaucoup, parler, souvent, quand ils sortent des arguments allant dans le sens de la modernité, ils sortent des hadiths. Et nous savons tous, aujourd'hui, vous le savez mieux que nous, que le hadith, c'est la source d'une grande discrimination envers les femmes, et surtout de l'asservissement de tous les musulmans hommes et femmes. Ne pensez-vous pas que les modernistes comme vous devraient utiliser les termes texte, éthique du prophète, au lieu de parler de hadiths qui vont dans le sens de la modernité, et arrêter complètement de dire un hadith du prophète, mais éthique du prophète. Dernière question, est-ce que vous persistez, vous signez ? En fait, ma question a déjà été posée, mais je peux essayer de la reformuler. C'était par rapport à une potentielle légitimité quand on n'a pas forcément... Quand on ne connaît pas forcément le Coran par cœur et qu'on a juste en fait, un esprit critique, un esprit d'analyse, à quel point on est autorisé à sortir de notre mutisme et de notre peur quand on n'a pas étudié le fiqh et tout ça pendant je ne sais pas combien de millénaires. Voilà. C'était vraiment la question de la légitimité et du mutisme. Oui, on va terminer. Alors, pour la question de... Moi, je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Et premièrement, je ne me considère pas comme une moderniste, je vais vous le dire. Je n'aime pas qu'on me mette dans des cases comme ça. C'est très caricatural. Vous savez, moi, je connais des modernistes qui, dès qu'on parle d'héritage, ils reviennent à la charia. Hein? Et donc, franchement, le critère de moderne et de moderniste, moi, il est pour moi. Et puis, moi, j'ai vu des conservateurs, très conservateurs, qui ont été très conciliants par rapport à ça. Et quand ils ont été... convaincus par l'argumentaire des textes, eh bien, ils ont accepté. Donc, vous voyez, donc c'est un petit peu très caricatural, et donc je parle toujours d'une troisième voie, c'est une voie qui essaie de sortir justement de ces cloisonnements entre modernistes et conservateurs, et d'offrir cette voie éthique qui peut concilier entre ce qu'il y a de bien, même chez un conservateur, et ce qu'il y a de bien, même chez un moderniste, donc de prendre tout ça et de pouvoir aller un peu plus loin. Alors là où je ne suis pas d'accord avec vous, je suis désolée de vous dire que la tradition du prophète reste importante. Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle reste importante. Elle reste importante, mais le gros problème avec la tradition, c'est qu'il y a eu... je vais vous dire, c'est pas comme le Coran qui est un texte clair, enfin un texte, voilà, on sait que la révélation, quand est-ce qu'elle a été faite, etc. Pour le hadith, je vais vous donner juste des exemples. Par exemple, le premier manuscrit qui était de Humam, Sahifat Humam, on parle de Sahifat Humam, qui a pris la majorité des hadiths dits par Abu Huraira, il y avait juste 136 hadiths. 136 hadiths. Vous passez à Al-Mu'tah, c'est le deuxième, c'est l'imam Malik, il est à 500 hadiths. Vous passez à Ibn Halbal, il est à 40 000 hadiths. Regardez l'évolution, le processus historique. Vous arrivez à Bukhari et Muslim, qui ont fait un filtre, qui ont beaucoup travaillé pour ça, ils sont à 7 000, mais ils ont beaucoup de hadiths qui ne sont pas sahih et qui ont été... critiqué par des... Là aussi, la question qui est aujourd'hui tabou, il ne faut pas critiquer le hadith Bukhari et Muslim, c'est là où je suis d'accord avec vous. On a le droit, par contre, au niveau des hadiths, de critiquer et de dire, quand ils sont contraires au Coran, quand ils sont contraires au bon sens, quand ils sont contraires à la justice, de dire, c'est des hadiths que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas tolérer, et sûrement, ils doivent être forgés. Et c'est ce qui s'est passé.
On a forgé tellement, politiquement parlant, des hadiths, et ça c'est connu dans l'histoire de la civilisation musulmane. Le hadith qui dit « La nifleha qawman wallaw imrahum imra'a » c'est un hadith complètement forgé politiquement. Aujourd'hui même, les islamistes le reconnaissent. Les islamistes vous disent que c'est un hadith forgé politiquement. Donc, il faut, et ça aussi, les ahlul hadith, c'est des gens qui sont absolument fermés et qui ne veulent absolument pas qu'on touche à cette citadelle du hadith. Parce que, comme vous dites, c'est vrai qu'elle est à l'origine de beaucoup de discrimination des femmes. C'est là où on retrouve, justement, regardez dans l'héritage et tout ça, on va puiser dans le hadith pour sauver et pour masquer, justement, la justice et tout ça, etc. Mais vous avez des hadiths qui sont hyper beaux. Vous avez des hadiths, par exemple, Nisa ou Shaqa et Korrijal. Voilà, c'est ça. Vous avez Al-ilmu faridatun ala kulli muslim wa muslima. Vous avez Qurratu ayni hiya salat et il a mis Ahbabtu fi hayatikum al-tib wa al-nisa. Moi, je trouve qu'il est beau ce hadith parce qu'il met les femmes à la même place que l'oraison, que la salat, etc. Donc, on ne peut pas se permettre aussi de faire une tabula rasa sur ça. Par contre, il faut faire une lecture historico-critique de ça et une refonte de tous les hadiths. D'ailleurs, les Turcs sont en train de le faire. Ils ont une institution où ils sont en train de revoir tous les hadiths et de revoir toutes les modalités. On ressort du sahih, parce que le sahih n'est pas sahih, en fait. On retrouve beaucoup de choses qui ne sont pas sahih. Et donc, ils sont en train de revoir tout ça, toute cette méthodologie qui était peut-être applicable à un certain texte, mais aujourd'hui, on a des moyens, des sciences humaines, des moyens de la lecture historico-critique qui peuvent justement, sans toucher à la foi, sans toucher à l'éthique du prophète, et nous redonner des hadiths qui ont du bon sens, etc. Et c'est là où je rebondis sur ce que disait Reda. Alors la majorité des gens n'ont pas les outils, n'ont pas les arguments. Vous savez, les musulmans d'Asie qui ne comprennent pas l'arabe. Mais comment ils font? Ils sont de très bons pratiquants, ils ont un islam, je trouve, plus éthique que le nôtre, etc. Et bien, tout simplement, bon, bien sûr, ils ont accès à la traduction, ils ont accès à... Et bien, ils utilisent leur bon sens, justement. Tout ce qui va à l'encontre de la justice, du bon sens, de l'équité, de la dignité de l'être humain, eh bien, il ne doit pas être accepté, tout simplement. Et cet esprit critique dont vous avez parlé, c'est ce qui nous manque dans l'éducation aujourd'hui et dans l'enseignement du religieux. Il est absent. Il est absent. Et c'est ça notre faille aujourd'hui. Merci. Restez assis. Merci. En votre nom, évidemment, je voudrais remercier infiniment, très chaleureusement, Asma Al-Malabat qui nous a ce soir à la fois accompagné, expliqué. Il y avait une pédagogie, mais surtout il y avait un bonheur dans les mots que vous avez prononcés. Un bonheur qui rassure et qui nous donne envie quand même de comprendre un peu plus et d'aller un peu plus loin. Nous sommes au mois du Ramadan. Il y a un mot qui n'a pas été bien développé. Évidemment, on a parlé du religieux, mais la question de la spiritualité n'a pas été peut-être un peu plus approfondie. Je crois qu'on aura peut-être un jour l'occasion de revenir sur cette question centrale. Elle est centrale. Pour vous dire à quel point la spiritualité est centrale, si vous me permettez, je vous raconte juste une histoire vraie. Ça se déroule en 1994, la dernière émission de Bernard Pivot qui s'appelle Apostrophe. Ce soir, cette soirée, il y avait un des plus grands historiens français qui nous a quittés depuis, qui s'appelle François Furet, et qui venait de commettre son dernier ouvrage, car il mourra quelques mois après, qui s'appelle « Le passé d'une illusion à propos du communisme ». Et c'était vraiment un historien qui était connu pour être un grand militant de l'athéisme. Il était athée intellectuellement, il le revendique, il faisait partie de la franc-maçonnerie, etc., etc. Donc un intellectuel totalement, disons, déthéologisé, hein, complètement. Rationaliste, il était comme saint Thomas, il ne croit qu'à ce qu'il voit. Et puis à la fin de l'émission, pour ceux qui la connaissent, Pivot posait toujours ce qu'on appelle le questionnaire de Proust. À savoir si vous étiez un arbre dans lequel seriez-vous incarné, etc. Et à la fin, Pivot posait la même question à tous les... Le jour où vous irez voir, rencontrer Dieu, quand vous mourrez, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Et François Furet, l'historien athée, répond,
j'aimerais qu'ils me disent « Rentre vite, car tes amis t'attendent. » Pour un athée trilingue, c'est-à-dire dans sa langue et toutes les autres langues, qu'il puisse, de manière presque pavlovienne, répondre que la spiritualité existe. Lui, l'athée, en dit long peut-être. Sur la nature humaine, grattez le religieux, vous trouverez le spirituel. Et je terminerai par cette phrase de Régis Debray qui disait « Quelle est la différence entre un homme religieux et un homme spirituel ?» Et la réponse de Régis Debray est « L'homme religieux, c'est celui qui prépare les obsèques. Alors que l'homme spirituel, c'est celui qui se prépare à l'idée de la mort. » Je vous remercie et très bonne soirée. Je voudrais simplement remercier Mme la Marbotte, remercier mon ami Hafidi pour cette séance très riche qui nous a permis d'ouvrir un petit peu notre esprit à des thématiques qui concernent toutes les personnes ici présentes et leur dire que si mon père était avec nous, il aurait été heureux de vous entendre. Vraiment. Merci beaucoup. Merci.